Située au nord-ouest de l'Amérique du Sud, la Colombie a été nommée ainsi en l'honneur de l'explorateur Christophe Colomb par le héros de l'indépendance Simon Bolivar. Bordé par la mer des Caraïbes et l'océan Pacifique, le pays est traversé du nord au sud par la cordillère des Andes et il englobe aussi une partie de la forêt amazonienne. Côté musique, la Colombie est le berceau de la cumbia, du marimba ou du vallenato. Oui, mais c'est aussi le rituel de la fête des 15 ans. Lui, c'est Antonio Fischetti, un journaliste scientifiquement porté sur le sexe. Son truc, c'est d'enquêter sur les sexualités du monde entier. À lire son dernier ouvrage, Sac à dos et libido, publié chez Jean-Claude Lattès. Pour ne rien rater de la série, abonne-toi sur Podcast Addict ou Apple Podcast. Et si tu as aimé, n'oublie pas de laisser un commentaire et une bonne note. Ça fait toujours plaisir. Et retrouve-nous aussi sur Spotify. Sac à dos et libido, le podcast des pays racontés par leur sexualité. J'ai entendu parler d'une coutume très populaire dans différents pays d'Amérique du Sud et notamment en Colombie. Quand une jeune fille atteint l'âge de 15 ans, sa famille organise une grande cérémonie. On l'appelle la fête des 15 ans ou quinceañera. C'est à partir de ce moment-là qu'elle quitte son statut d'enfant pour faire officiellement ses premiers pas dans la féminité. Mais comment se déroule la cérémonie? Et comment la fille vit-elle ce passage? Pour en savoir plus, je vais voir Alejandra, une Colombienne qui vit à Paris et qui a vécu ce rituel à Bogota. Épisode 2. La fête des 15 ans en Colombie. Bien, alors Alejandra, bonjour. Bonjour. Je prononce bien comme ça, Alejandra? Très bien. Oui, oui, non, parfait. Toi, tu as fait cette fête qu'on appelle la fête des 15 ans, la quinceañera. Eh oui, j'ai dû y passer. Alors, comment ça s'est passé pour toi? Raconte-moi. Donc, c'est très particulier parce que c'est la famille qui t'organise la fête, c'est tes parents. Mais c'est finalement la première fois où c'est légitime d'aller boire avec les amis, même si c'est brouillé la gueule, enfin, c'est traditionnel. Mais ça se passe devant tes parents. Donc, c'est une opportunité, un petit peu un nez pas raté pour la plupart d'adolescents, surtout pour les filles. Mais en quoi il y a une dimension un peu sexuelle là-dedans, puisqu'on fête l'avènement à la féminité d'une certaine façon? Oui, en fait, je pense que ça vient des traditions de la présentation en société de la jeune fille, genre quand elle est prête à, on sait pas, à aller vers le monde. Quelque part, c'est de reconnaître que la petite n'est plus une petite, mais une femme. Mais concrètement, comment ça se passe alors? Tu es habillée comme une robe de mariée, on fait quoi? On mange, on danse, c'est comme un mariage? Tu es super habillée avec une robe très très mignonne et très chère. En général, ces fêtes, bon, ça coûte très très cher. Mais c'est étonnant que même des familles très très humbles qui n'ont pas d'argent vont faire des choses mais incroyables pour pouvoir économiser pour la fête de la fille. Évidemment que l'esthétique de la chose va dépendre de ce que ta famille peut dépenser, mais c'est toujours disproportionné. Et il y a une entrée de la quinceañera dans l'espace de la fête qui est un peu officielle. Parfois, les gens ils mettent une chanson en particulier, donc ils rentrent avec son papa. C'est cette histoire de danser avec le père et après, tu peux danser avec les autres. Oui, c'est un peu comme si le père, disons, donnait la permission. Il y a quelque chose un petit peu incestueux de sous-entendu là-dedans? Non, je pense pas du tout incestueux, mais patriarcal, par contre. Là, c'est oui, il donne la permission, mais parce qu'il peut rien faire. Parce que sinon, de toute façon, la fille, elle va s'en aller à un moment ou à un autre. Donc, c'est comme le dernier moment où le père exerce officiellement, il y a vu de tout le monde, cette autorité patriarcale sur la fille qui, de toute façon, va lui échapper parce que c'est une adolescente. Mais est-ce qu'il y a des codes, par exemple, dans la musique, même si ça dépend des régions? Ah oui, ça, c'est drôle. Donc, il y a une tradition, pas tout le monde la suit, mais on danse la valse européenne. Donc, dès nos jours, c'est super drôle. La valse en question, c'est le beau Danube bleu. Donc, danser une valse avec ton père, parce que c'est considéré très élégant. Je pense qu'il y a un rapport aussi avec une pensée coloniale qui ne nous quitte pas dans ces régions-là. Après, ça dépend de le style de la fille en question. Donc, ça peut être la musique tropicale, reggaeton, peu importe, électro. Bon, ça, t'as le droit, après, de mettre la musique que tu aimes.
Est-ce qu'on peut dire d'une certaine façon que, à partir de la quincellaniera, une fille a l'autorisation d'avoir une vie sexuelle d'une certaine façon, puisqu'elle devient une femme? C'est ça qui est drôle. En fait, c'est pas qu'il a une autorisation, parce qu'on va pas en parler non plus. Les choses encore aujourd'hui changent en Amérique latine, mais on a un fond culturel très catholique. Donc on assume qu'il y a sûrement la jeune fille qui va faire ces soirs-là ou dans les jours qui suivent des choses avec son petit copain, mais on n'en parle pas. Et est-ce que, dernière question, toi, si tu as une fille, tu lui feras faire la fête des 15 ans? Non, parce que je pense que si j'ai une fille, bah, elle fera la fête tout le temps, un peu comme moi. Donc il y en aura des fêtes et avant et après. Donc non, pas particulièrement pour la quinceañera. Ok, merci, au revoir. Merci à toi, au revoir. Au fond, l'entrée symbolique dans le monde des femmes est une chose, la vie sexuelle en est une autre. Et ça, en Amérique latine, comme partout ailleurs. On notera toutefois qu'il n'y a pas d'équivalent de la quinceañera pour les garçons. Certaines diront, et elles n'ont sans doute pas tort, que c'est une illustration du contrôle social sur le corps des femmes. Et si tu veux continuer ce voyage dans les sexualités du monde entier, il y a le livre d'Antonio Fischetti, « Sac à dos et libido », publié chez Jean-Claude Lattès, et ses chroniques dans le magazine voyageur AR. AR comme aller-retour. Pour ne rien rater de la série, abonne-toi sur Apple Podcast ou Castbox. Et si tu as aimé, merci de nous laisser un commentaire et une bonne note. Et retrouve-nous aussi sur Deezer. Dans le prochain épisode, on parlera des femmes libérées chez les Na en Chine.